دونك اليوم عندنا كونفرنس مع بروفيسور بشير معزوز كما تعرف بلي بروفيسور بشير معزوز دونك هي لونسيني ليكول دو لادمينستراسيون بوبليك دو كيبيك سي ا مونريال بروفيسور معروف في لا كوميونيتي كما تعرفوا عنده دي زوفر بيز انتيريسونت دونك جبناه باش لا كوميونيتي تعرفوا وباش ثاني كينا يعطينا دي زانفورماسيون سور دونك لو دومين سي لوكال ترافاي اكسيتيرا دونك جو بوز انفيت توس دونك ا ايكوتي سا كونفرنس اجوردي اي فوز الي اتر تري ساتيسفي par la présentation de ces Béchir Inch'Allah. Voilà. Donc, il m'a remarqué, oublié, c'est la première conférence de l'année 2010, donc, merci Béchir. Mais vous allez avoir aussi d'autres rendez-vous avec d'autres professeurs, avec d'autres conférences, Inch'Allah. Bien sûr, on s'inspire du site BledNet pour avoir des noms donc, qui sont connus donc, dans la communauté. Et parfois même, ce que nous avons fait à Montréal, mais nous allons, Inch'Allah, contacter eux à l'extérieur de Montréal pour les inviter. Et pourquoi pas, donc, pour les faire. Donc, pour les inviter pour qu'ils connaissent davantage la communauté, ou la communauté aussi, elle doit les connaître aussi, parce qu'il faut trouver un moyen, une formule pour que ces gens-là aident la communauté. Ou, donc, c'est notre objectif, CCIA. Depuis la création du CCIA, c'était toujours comme ça, d'être donc un trait d'union entre la communauté et entre les capacités ou les potentiels donc, algériens ici à Montréal ou au Canada en général. Donc, il faut souligner aussi que ces conférences s'inscrivent dans le cadre des activités du Centre culturel algérien pour donc, enrichir un peu les débats, etc. On a plusieurs comités qui sont actifs pour présenter des conférences. Donc, il y a des conférences qui s'inscrivent dans le cadre de la CCIA professionnelle, donc CCIA Pro. C'est beaucoup plus, il cible le marché de l'emploi, les techniques et les démarches qu'on doit utiliser pour trouver un emploi. Et même, il touche aussi l'aspect économique. Donc, c'est la CCIA Pro qui organise ces conférences. La conférence d'aujourd'hui s'inscrit dans ce cadre-là. Il y a aussi des conférences dans le cadre des formations. Donc le CCIA aussi organise à travers son comité CCIA Formation des conférences pour... D'ailleurs, d'ici quelques semaines, on va organiser une conférence sur l'application Oracle. Donc on va inviter les gens qui sont des informaticiens pour prendre connaissance des dernières découvertes dans ce domaine-là. On a aussi des conférences culturelles. Donc on a la CCIA Culture ou la CCIA Rapprochement Interculturel. Le comité aussi organise des conférences dans le cadre de la culture. Donc parfois, on invite des conférenciers pour parler de l'histoire de l'Algérie ou par exemple de la culture en général. Donc il faut surveiller notre site internet salammontréal.com pour avoir des informations sur tout le planning de les conférences pour l'année 2010. C'est vrai que les conférences sont organisées par le Centre culturel algérien, mais il faut noter que le CCIA et ses activités sont destinées à toute la communauté maghrébine. Donc, forcément, on va inviter d'autres conférenciers issus de la communauté marocaine ou la tunisienne ou d'autres communautés pour justement créer cet espace d'échange et de débat au sein de la communauté maghrébine. Donc il faut surveiller aussi notre site internet pour savoir les noms des conférenciers que nous allons inviter dans le futur pour donner des conférences ici au CCIA, mais des conférenciers qui viennent de la communauté tunisienne ou la communauté marocaine.